Salut à tous, c'est Jordan. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour une pêche un peu spéciale car on va pêcher donc sur 4 jours, encore une grosse session. Et cette fois-ci, c'est une pêche familiale. Donc on est 4 pêcheurs, on va pêcher à 2 cannes chacun. On a réussi à trouver un poste assez large. Ça a été très compliqué de trouver car on a sur la région pas mal d'étrangers qui viennent donc pêcher la Saône. Et eux aussi ont besoin de beaucoup de place pour s'installer. Mais en cherchant bien, donc on a réussi à trouver une place donc assez grande. Je vais monter le matériel là. Il va falloir déjà premièrement que j'aille sonder. Donc j'ai pris l'éco-sondeur Humminbird. J'ai pris mon Zodiac Fraser. Et je vais aller donc essayer de trouver... Je pense que je vais chercher 3 spots. 3 spots potentiels à pêcher. Je vais amorcer donc les 3 de la même façon. Je vais faire donc une espèce de bouillie un peu pour vraiment... dans un premier temps faire venir tout ce qui est petit poisson, donc avec de la graine et du babycorn fondu, et par la suite petit à petit je vais installer ma pêche. Donc je vais mettre de plus en plus de bouillettes de façon à écarter les petits poissons et faire rentrer les gros. On va voir, j'ai jamais encore essayé cette technique, mais je vais voir, on sait jamais hein. De toute façon on est là pour apprendre, comme on dit, on apprend de ses erreurs. Si ça marche pas, bon bah je ne ferai plus cette technique, et puis si ça marche, et ben tant mieux pour moi. Voilà pour ce qui est de ma pêche. Donc sans plus attendre, je vais installer mon matos et je pars sonder. Donc là je viens de poser les cannes pour la nuit. Donc que je vous explique un peu, j'ai placé donc mes 2 cannes sur un même spot, donc dans le bas d'une cassure où j'ai environ 5 mètres d'eau, et je me suis fait un petit spot de pêche beaucoup plus en bordure dans 2,50 m d'eau, et celui-là je vais l'amorcer, mais je ne pêcherai que la nuit prochaine dessus. De façon à voir si les poissons déjà y rentrent. Je vais essayer donc d'entendre quelques sauts cette nuit. Sinon je vais continuer à l'amorcer comme l'autre spot, de façon à ce que les poissons se nourrissent sans être piqués, donc qu'ils se nourrissent vraiment en sécurité pour pouvoir déclencher des départs plus rapidement. Donc j'ai pas pu vous faire beaucoup d'images aujourd'hui car on est arrivé assez tard, mais je pense que la pêche va vraiment s'installer demain. Surtout demain matin, je vais pouvoir observer où les poissons se trouvent, où ils bougent le plus souvent, du moins. Et surtout au niveau des amorçages, moi je pense que dans mon ressenti et dans ce que j'ai vu au fur et à mesure des années, surtout en rivière, sans pré-amorçage, je préfère le préciser, j'arrive à toucher mes poissons à peu près au bout de 24 heures d'amorçage, le temps que le poisson rentre vraiment sur l'amorçage, et là j'arrive à toucher des poissons. Mais toujours les premiers 24 heures,
sont compliquées, surtout avec la canicule qu'on a en ce moment. Après, peut-être que je vais pouvoir toucher un poisson dans cette nuit, mais je pense que ça sera vraiment un poisson de passage ou voilà quoi, mais sans plus. Donc on va voir, là les cannes sont posées, mes deux cannes sont sur le même spot pour cette nuit. On croise les doigts, j'ai une canne avec une pop-up remontée d'à peu près 30 cm, goût maïs, et une autre qui est juste remontée du fond avec un dumbbell rose fluo. Et on verra si cette nuit va me rapporter un ou deux poissons ou rien du tout. Bon alors petit débriefing de la matinée. Donc j'ai été voir Cyril, Jason et Philippe. Ils n'ont rien fait non plus cette nuit. Moi c'est pareil, ça a été très calme. J'ai eu une belle touche retour. Donc je me suis levé, j'ai pris contact, j'ai ramené donc jusqu'à mon plomb. J'ai ferré, rien du tout. Donc je ne sais pas si un poisson s'est pris dans le fil et ça m'a fait du coup la touche retour ou si le poisson s'est mal piqué, je sais pas. Je sais vraiment pas du tout. Donc j'ai remis la canne dans la nuit, mais après sans suite. J'ai été ce matin ramorcer donc mes deux spots. Donc celle de bordure, j'ai pas mal de blancs qui sautent dessus. Donc je vais commencer à passer plus sur de la bouillette pure. L'autre qui est un peu plus loin, dans 6 mètres d'eau. J'ai vu par contre pas mal d'échos, pas mal d'échos de beaux poissons. J'ai vu une belle belle fouille aussi quand je me suis réveillé. Malheureusement, pour l'instant, ça ne donne rien. Et je ne vais donc pas pêcher toute la journée aujourd'hui, car je suis attendu ailleurs. Je vais pêcher donc jusqu'à à peu près 10 heures et je vais revenir vers 14-15 heures pour remettre les cannes. Pour cette nuit, je pense que je vais peut-être changer un peu. J'ai encore un poisson qui est remonté sur ma canne de bordure, enfin sur mon spot de bordure. Donc celui-là, je vais peut-être le pêcher cette nuit et je vais voir pour essayer de placer une canne en face, car en face il y a beaucoup plus d'herbier qu'ici. Je sais qu'en face il se fait beaucoup de poissons, donc je vais essayer pour voir si elles se tiennent par là-bas. Après, je ne sais pas si je vais pouvoir, car j'ai pas beaucoup beaucoup de fil sur ces moulins. Je dois avoir à peu près 320 mètres de fil, un truc comme ça. Donc je vais voir, je vais essayer, mais je vais mettre un gros caisson au milieu. De toute façon, c'est en essayant qu'on voit si le poisson est là-bas. Sinon, je sais que Jason, Cyril et Philippe pêchent donc aujourd'hui. On va voir s'ils arrivent à prendre un poisson dans la journée. Et donc voilà, là je suis en train de préparer donc l'amorçage qui va me servir donc ce soir. Donc je vais utiliser beaucoup plus de bouillettes, comme je vous l'ai dit. Donc je vais couper mes bouillettes, de façon à ce qu'elle diffuse beaucoup plus et surtout que ça couvre une plus grosse surface. Ces bouillettes, je vais les dipper donc avec du liquide Astic Mix, du parfum des appâts, et je vais peut-être aussi essayer de rajouter un petit peu de bibicorne dedans, de façon à tâcher bien le fond. Mais ça, je poserai les cannes vraiment à la dernière minute, quand le vent aura arrêté de souffler. Bon alors, qu'est-ce que tu viens de nous mettre aujourd'hui?
pour la pêche? Deux petites pop-up à l'ananas et une pop-croûte. Ça peut faire un petit bêtis. Alors, dis-nous, je vois que tu as mis de la mort sur ton plomb. Ouais. Et une patte plombée. Une bonne patte plombée. Non, je rigole. Une patte. T'es prêt? Donc là, tu vas lancer, ok. T'es prêt, hein? Faut que tu passes donc sous les arbres, sauf que t'es... Donc là j'ai donc du baby corn donc en morceaux et en poudre pour vraiment tâcher le fond et vraiment que toutes les couches d'eau soient tâchées par le baby corn. Je vais rajouter donc de la bouillette. Celle-ci c'est de la bouillette carnée car pour cette nuit je vais essayer, je dis bien essayer, d'aller tendre en face. Pourquoi je dis bien essayer? Car j'ai pas beaucoup de fil sur mes bobines et la Saône à ce niveau-là est quand même assez large. Mais en face, on a pas mal d'herbiers. Je sais qu'il se fait pas mal de poissons en face, donc je serais vraiment bête entre guillemets de ne pas essayer d'en mettre une là-bas. Donc quand je pêche en Saône, surtout quand je pêche en face, donc j'utilise un plomb quand même assez conséquent en face et en ramenant, je pose une pierre en cassant, donc grâce à un élastique qui est quand même assez fin. Ce qui est bien en utilisant une pierre donc avec un élastique et une agrafe, c'est que mon agrafe va rester sur mon corps de ligne et quand je vais arriver à l'aplomb de la pierre, j'ai juste à faire un gros coup, l'élastique va casser et donc j'aurai par la suite mon poisson en tension au bout de ma canne. Et donc vu que je vais essayer de pêcher contre les herbiers, ou du moins pas loin, j'utilise donc des appâts carnés car on sait très bien que dans les herbiers il y a donc des petits mollusques, des écrevisses, des coquillages aussi qui sont là-bas dedans, des anodontes. Donc ce n'est pas à négliger même en plein été, en pleine canicule, d'utiliser donc une bille carnée. Donc à ceci, je vais utiliser aussi du Fluo Boost, donc pareil, carné. Et le Fluo Boost donc, va vraiment tacher toutes les couches, ça fait vraiment un nuage dans l'eau, il n'y a pas besoin d'en mettre forcément beaucoup. Hop, le tout c'est de bien mélanger, de bien laisser le temps au baby corn et même à la bouillette de s'imprégner du Fluo Boost, de façon à ce que ça forme une croûte autour. Et il suffit de mélanger tout ça. Alors on voit déjà que ça commence à s'étaler un peu partout. Donc je vais finir de mélanger et je vais donc laisser reposer tout l'après-midi jusqu'à ce soir, jusqu'à ce que je vais poser ma canne. Donc les amis, ça y est, je viens de relancer les cannes, du coup j'ai pas pêché aujourd'hui. J'ai remis les cannes donc proprement, j'ai donc ma canne de droite qui va pêcher mon coup de bordure car j'ai beaucoup d'activité, mais j'ai beaucoup d'herbes et en plus on a des écrevisses. J'ai pu voir qu'on a des écrevisses à cause de cette bouillette. Donc j'ai été complètement bouffé, la pop-up, le Dumble Rose a été touché donc par les écrevisses.
En plus, j'en ai vu quelques-unes au bord, des grosses rouges, les américaines là. Donc je vais quand même réessayer sur un dumbbell aussi, pareil, mais j'ai utilisé donc un dumbbell avec la couleur de mon amorçage, de mes billes que j'ai utilisé pour amorcer. Car le rose, pour l'instant, ça ne paye pas, à voir par la suite. Ensuite, pour les autres, ils n'ont rien fait aujourd'hui. Je sais que Jason a vu un poisson remonter. Il pêche donc une canne à la free weight, il me semble, un dumbbell free weight. Et l'autre, je sais pas, je crois que c'est du fruit. Je sais que Cyril, donc il sera pas là cette nuit puisqu'il devait aller au travail. Donc il n'y aura pas ces cannes de mise. Et Philippe pêche donc avec des ananas qu'on a pu filmer juste avant. Donc les cannes et le matériel sont lancés. Là, je suis en train de faire à manger et petites pâtes carbo pour le soir. Et donc on se retrouve demain matin, je pense, pour la pesée des poissons s'il y en a, et j'aimerais bien qu'il y en ait. Car ici, c'est un poste qui est très très compliqué. On fait très rarement du poisson. C'est pas compliqué. Sur 4 sorties, on n'a pas sorti une carpe. La dernière fois, Cyril a cassé sur un beau poisson, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Bon, j'avais fait pas mal de chevaines la dernière session, c'est qu'on était venu ici, mais pas de carpe. Donc là, ça serait bien qu'on arrive à débloquer la situation. Mais bon, comme on dit, la persévérance paye, donc on espère. Bon alors, les amis, donc on est au troisième jour et c'est très 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 compliqué. Je sais que ce poste est très très dur. C'est pas compliqué, comme je vous l'avais dit, on a fait déjà 3-4 sessions sur cet endroit et on a toujours fait capot. Juste la dernière fois où Cyril a eu un gros départ, mais a décroché. Donc pour aujourd'hui, j'ai décidé donc de créer beaucoup d'activités sur mon coup. Donc j'ai pêché aux méthodes feeder, donc toutes les heures je rebalançais mes deux cannes sur le même spot avec donc de la farine, de façon à tirer beaucoup beaucoup de poissons, de faire du mouvement pour voir si ce soir, justement cette nuit, ce mouvement va attirer la curiosité des carpes. Chose que j'ai pu remarquer, pourtant on m'avait dit qu'il n'y avait plus de chats, mais plus du tout en Saône. Et ben voici ce que j'ai vu grâce à ma caméra sous-marine. Donc on voit qu'il y a beaucoup beaucoup de poissons chats qui viennent taper sur le feeder. Même juste quand ils touchent le fond, peu de temps après ils sont dessus et il y en a pas mal. Donc je pense que les poissons chats vont pas nous faciliter la pêche, en plus des écrevisses. Mais il y a toujours moyen de trouver un poisson, donc un poisson de même de passage. Donc pour cette nuit, ce que je vais faire, bon là c'est pas encore l'heure de relancer pour la nuit, mais je vais vous expliquer un petit peu ce que j'envisage de faire. Donc je vais mettre une canne donc sur mon coup de bordure que je suis en train de pêcher actuellement avec les méthodes feeder. Car sur la caméra, on voit très bien que je suis sur du gravier. Donc il faut que j'arrive à retrouver du moins du sable. Il faut que j'arrive à retrouver cette tache de sable. Et pour ma deuxième canne, je vais aller en face. Car en face, j'ai toujours plus ou moins fait du poisson. Donc je vais essayer d'en claquer une en face. Je vais mettre un cassant avec une pierre au milieu de la Saône, histoire que si jamais il y a un bateau, il ne me prenne pas donc ma bannière. Et on verra si cette technique est payante ou pas. Après, je verrai ce que je vais faire par rapport à cette nuit. Si jamais cette nuit, je ne touche rien sur mes deux cannes, je pense que je vais aller chercher le chenal. Ça sera vraiment la dernière chance. Je vais vraiment claquer plein chenal, les deux cannes, pour voir si on peut intercepter un poisson. Mais sinon, si je touche en face, bon, peut-être que je mettrai les deux en face. Enfin, je vais voir par rapport à ce que je vais, ce qui va se passer cette nuit, du moins.
Ok, donc là je suis en train de poser les cannes avec le zode. Je viens de poser la canne en face. Donc je me suis éloigné un petit peu de la bordure car il y a encore beaucoup d'herbe, même de l'autre côté. Et je me suis mis vraiment sur du propre. J'ai amorcé donc du baby corn et de la bille carnée puisque je vais pêcher carnée de l'autre côté. Du moins carnée. J'ai la moitié d'une bouillette dense carnée et la moitié d'une bouillette d'une pop-up RF1. Donc celle-là est posée, j'ai mis mon cassant donc au milieu pour éviter les bateaux. J'ai pas trop desserré mon frein pour être vraiment bien tendu, vraiment sentir la moindre touche car il y a quand même pas mal de mètres et en plus je suis en nylon donc les touches vont être très difficiles à déceler. Et là je suis en train de me mettre sur mon coup de bordure, donc on a pu voir sur la vidéo sous-marine qu'il y a beaucoup beaucoup d'herbiers. Du coup je vais poser mon plomb et je vais essayer de trouver du propre pour poser dessus. Et je vais mettre une dizaine de bouillettes sur le coup pour cette nuit. Car on n'oublie pas que ça a été amorcé toute la journée grâce au feeder. Allez, je pose ça. Je me remets au bord de l'eau. Et après, je vais aller vers les invités car on a des invités ce soir. Alors les amis, donc je vous dis tout de suite qu'on n'a rien fait cette nuit, juste Philippe a fait un schwein donc hier soir, juste avant minuit. Du coup, le gros problème qui se passe, c'est que je suis en train de ranger et je vais partir sur un autre poste pour faire ma dernière nuit. Pourquoi cette décision? Car j'ai un groupe d'Allemands qui est venu donc s'installer mais juste à côté de moi. Et le problème, c'est qu'ils lancent vraiment des gros, je sais pas trop à quoi ils pêchent, mais je pense qu'ils doivent pêcher le silure ou je ne sais pas, mais ils sont vraiment juste à côté de moi et du coup ça me fait encore plus barrière, déjà qu'on fait pas de poisson. Du coup je vais aller essayer de tout choper un poisson un peu plus bas, j'ai vu qu'il y avait des postes qui sont donc plus libres. Et je vais partir du coup, bah, je vais prendre ma bait box je pense juste pour la nuit, prendre mes deux cannes. Je vais pas utiliser de zone. Et puis on va essayer de faire la dernière nuit comme ça. Allez, on se reprend plus tard. Donc me voilà installé sur le nouveau poste de pêche. Car vu que les Allemands sont installés, ils ont posé 12 cannes pour 3 pêcheurs. En sachant que nous on pêchait déjà donc à 2 cannes par pêcheur, on était 4 pêcheurs. Donc il y avait déjà 8 cannes à l'eau, ils ont rajouté 12 cannes, du coup pour moi c'était pas possible, surtout qu'ils s'étaient mis juste à côté de moi avec des gros amorçoirs, enfin bref. Du coup j'ai cherché un autre petit poste pour cette nuit, car bon je vais plier demain, donc ça serait pas mal que j'arrive à déclencher un départ sur le nouveau poste. J'ai choisi un poste avec des nénuphars sur la gauche. Pourquoi j'ai pris des nénuphars? Car il fait très chaud. Il a fait chaud donc depuis 2-3 jours c'est reparti. Du coup j'ai préféré prendre des postes avec des nénuphars de façon à voir si les poissons viennent se nourrir dedans et surtout se mettre à l'ombre dedans. J'ai pu observer sur plusieurs lieux de pêche que les poissons se mettent donc dans les nénuphars. Surtout quand il fait chaud, donc je vais tenter ma chance dans les nénuphars. Je vais partir toujours sur la même bouillette, la bouillette fruitée. Je vais continuer de la tester pendant un petit moment. Malheureusement, l'autre poste, bon bah c'était un petit peu peine perdue car à chaque fois qu'on s'est installé là-bas, à chaque fois on a fait capot. Mais bon, j'ai dit qu'on allait réessayer quand même. Mais toujours rien, il y a juste donc Philippe qui a fait un schwein tout hier soir. Donc je suis installé sur mon nouveau poste, je vais pêcher derrière les nénuphars et donc il me reste 24 heures pour toucher un fish.
Bon, eh bien, on arrive au soir. Je viens donc de replacer mes cannes. J'ai deux cannes qui vont pêcher vers les nénuphars et une canne qui va pêcher en pleine eau. La canne qui va pêcher en pleine eau, je ne vais pas la relever jusqu'à ce que je parte en fait. Sur celle-là, j'ai mis donc une pop-up RF1 et une bouillette carnée en test. En amorçage, j'ai mis un fil soluble avec une dizaine de billes dessus. Et c'est vraiment la canne bonus, celle-là. Elle est lancée vraiment... Je sais de toute façon que le fond est propre, donc j'ai lancé un petit peu n'importe où, entre guillemets. Et on verra si elle rapporte un poisson. Sinon, les deux autres sont donc vers les nénuphars. Je pense que les poissons vont revenir vers les nénuphars, surtout sur le matin, pour pouvoir se nourrir avant le lever du soleil. Et ces deux cannes donc sont échées avec des pop-up. Pourquoi des pop-up? Car j'ai pas mal d'écrevisses aussi ici. Et du coup, comme ça, je suis sûr que ça pêche. En plus, j'ai des herbiers sur le fond. Donc comme ça, mes pop-up vont être surélevés juste au-dessus des herbiers. Ça va être nickel. Donc voilà, dernière nuit. On va voir ce que ça donne. Bien voilà, comme quoi la persévérance paye. Enfin, dernier jour. Là, je vais devoir bientôt rentrer, puis le matériel. Et voilà, une belle coco, bien sombre, qui est venue me voir donc derrière les nénuphars pour clôturer parfaitement cette session. Le changement de poste a été payant. J'en suis plus que ravi. Allez, je la remets à l'eau. Bon, et bien voilà les amis, la pêche se termine. Je viens de ranger mon matériel. C'était une session très difficile. Mais bon, on a passé quand même un bon moment en famille. On a cherché le poisson. N'hésitez pas à me dire ce que j'ai oublié. Comment j'aurais pu aborder cette pêche. Quelle technique je n'ai pas utilisée ou je n'ai pas pensé. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à bientôt pour une prochaine session.